45 rue de la Miséricorde, un poème d'Anne Sexton que j'ai traduit. Dans mon rêve, perforant entièrement ma moelle osseuse, mon vrai rêve, j'arpente Beacon Hill, à la recherche d'une plaque de rue, à savoir la rue de la Miséricorde. Pas là. J'essaie du côté de Back Bay. Pas là, pas là. Et pourtant je connais l'adresse, 45 rue de la Miséricorde. Je connais le vitrail du vestibule, les trois étages de la maison avec son parquet. Je connais les meubles et la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, les domestiques. Je connais l'armoire de Spod, la barque à glaçons en argent massif où attendent les cupes de beurre pareilles à des dents de géant sur la grande table en acajou. Je la connais bien. Pas là. Où es-tu passé, 45 rue de la Miséricorde, et la bisaïeule agenouillée dans son corset à baleine, priant doucement mais avec ferveur devant le lavabo à 5 heures du matin, à midi, somnolant dans son fauteuil à bascule branlant. Et grand-père siestant dans le débarras, grand-mère sonnant la cloche pour appeler la servante du rez-de-chaussée, et Nana berçant maman avec une fleur gigantesque sur son front pour couvrir la boucle de quand elle était bonne et de quand elle était... Et où elle fut engendrée, et dans une génération, la troisième qu'elle aura engendrée, moi, avec la semence de l'étranger s'épanouissant dans une fleur appelée horrible. Je marche, portant une robe jaune, une pochette blanche débordant de cigarettes, assez de pilules, mon portefeuille, mes clés, et âgée de 28 ans, ou serait-ce de 45? Je marche, je marche. J'éclaire les noms des rues avec des allumettes, car il fait noir, aussi noir que le cuir des morts, et j'ai perdu ma Forde verte, ma maison en banlieue, deux jeunes enfants, aspirés comme du pollen par l'abeille en moi, et un mari qui s'est frotté les yeux pour ne pas voir mes tripes. Et je marche, et je regarde, et ceci n'est pas un rêve, juste ma vie huileuse, où les gens sont des alibis, et la rue éternellement introuvable. Ferme les persiennes. Je m'en moque, verrouille la porte, Miséricorde, efface le numéro, arrache la plaque de ma rue. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut lui faire à cet avare qui veut posséder le passé, qui est parti sur la barque des morts et m'a laissé avec seulement du papier? Pas là. J'ouvre ma pochette, comme une femme le ferait, des poissons y nagent entre les dollars et le rouge à lèvres. Je les sors de là, un par un, et les balance sur les plaques de rue, et je jette mon sac à main dans le fleuve Charles. Puis je réalise mon rêve et je fais claquer contre le mur en ciment du calendrier maladroit dans lequel je vis mon existence et ses carnets hissés hors de là.